Besoin d'un plan de jeu pour votre défense numérique? Utilisez Surfshark, VPN en un seul clic. 100 d'emplacements, 3200 serveurs, appareils illimités. Surfshark, gagnez le match de la sécurité. Activez Surfshark dès maintenant. Besoin d'un plan de jeu pour votre défense numérique? Utilisez Surfshark, VPN en un seul clic. 100 d'emplacements, 3200 serveurs, appareils illimités. Surfshark, gagnez le match de la sécurité. Activez Surfshark dès maintenant. À la 10e journée, à n'avoir remporté jusqu'à présent aucun succès, les Messins, les Lyonnais, les Clermontois et nous. Donc, il va bien falloir quand même à un moment donné donner des coups de rame un peu plus sérieux pour enfin décrocher notre premier succès de la saison. Nous l'appelons de nos voeux contre l'équipe de Toulouse qui, milieu de rien, certes devant nous au classement, n'a gagné qu'un seul de ses quatre matchs jusqu'à présent à l'extérieur. C'était le premier d'ailleurs à Nantes. Toutefois, prenons au sérieux une formation toulousaine relativement offensive quand même qui a décroché le match nul à Marseille mais qui a perdu à Strasbourg et qui a perdu à Lens. Alors, je ne vais pas revenir sur les événements de cette semaine, sur les sanctions prononcées par la commission, et nous allons démarrer ce match avec un capital de 8 points. Encore une fois, il faudra trouver les ressources justement de manière à s'accrocher et de manière à rester dans la roue, car il faut bien le reconnaître, nous avons au moins une raison pour agir ainsi. Nous sommes la seule équipe de la deuxième moitié de tableau à présenter à l'orée de cette 10e journée un goal average positif de plus 1. C'est peut-être pas grand chose, mais c'est toujours mieux que les 9 formations qui nous suivent de la 11e à la 18e place. Voilà, cette équipe de Montpellier, donc offensive, n'en doutez pas, aura besoin de votre soutien ce dimanche à 15h au coup d'envoi de cette partie que l'on appelle habituellement au moins une fois l'an le derby de l'Occitanie contre le TFC. Venez tous très nombreux encourager l'équipe de Michel Derzakarian, elle en aura bien besoin. Elle vous en remerciera par ce premier succès que nous appelons de nos voeux, je vous l'ai dit, à la Mosson. Rendez-vous tous à la Mosson, donc ce dimanche, coup d'envoi 15h, et si vous ne pouvez pas vous y rendre, bien sûr, vous savez que vous pourrez vivre en notre compagnie sur tous les réseaux sociaux du club cette rencontre en live. À dimanche.